Merci d'être à l'écoute de Radio Pacifique. Bienvenue de Pacifique Matin. Le mardi 8 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver ce matin encore une fois pour la deuxième sortie de Pacifique Matin. Jacques, bonjour, frère. Comment allez-vous? Bonjour, tout le monde. Et soit bon, des bons coups de l'eau. Oui, il y a un bon appui. Et matin, il y a dit nous hier soir des bons les appuis. Bonjour Moïse. Mais pas tombé même si j'ai envie de t'envier. Bon, bah, on est mauvais de t'envier, mais dès là, moi, il était qu'un bon dit la vie. Je vais l'appeler. Mais t'es comme on dit la vie. Mais on connaît pendant que, et en plus, mon appui, il dit content, il est content, t'es qu'un bon dit la vie. Ben, bon petit fraîcheur, c'est tout pour ça du ballon, bah, écoute. Eh bien, il dit qu'on n'y va pas mon bouillon parce qu'il connaît des gens qui sont dans une situation difficile et qui a vivre et qui n'ont pas un cas et priorité et surtout mon cas qui a boulé dans une belle air, etc. Mais après, bah, ça, on ne peut pratiquement pas attendre. Pas seulement, c'est encore tout, risque pour inondation. Oui. Les trois gouttes de la vie tombées. Zone qui a vivre, qui a quelques côtés pas fin trop bon. Nous connaissons que y a des zones là, et puis la pluie. Tomber, c'est catastrophe. En tout cas, son bail qui est compliqué, eh bien, nous avons suivi pour que nous soyons capables de continuer à faire une table dit tout à l'heure. Et par rapport à la question qui est dans la situation de visa, mon Delma 6, mon Belé, mon Riel Maya, et sans fil, mon Delma 2, pratiquement pas dans les autorités de l'État, nous ne pouvons pas avoir un crédit. C'est comme si c'est des bagages qui sont dossiers finis, et puis nous l'avons vu, nous continuons à vivre. Par rapport avec Jean-Réalité Aïla, direction protection civile, que je sais que je tout à l'heure. Et qui par semble n'y a aucun projet et concret pour nous, en tout cas. Non, mais il y a l'autre instance tout à coup, FAES, CAS. Oui, mais c'est un partenariat avec DPC, vous faites. Oui, vous êtes assisté à ouais, DPC pour grand démarche, je pense, en tout cas. L'actualité à matin qui s'en vient, oui. Bon, et des heures ont à nouveau eu lieu ce lundi 7 septembre entre des agents de l'ordre et des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Au moins un agent du corps d'intervention de maintien d'ordre, Timo, étant sorti blessé. Et les protestataires ont failli incendier un véhicule blindé de la PNH. Trois avocats du barreau de Port-au-Prince doivent être auditionnés par la DCPJ le mercredi 9 septembre dans le cadre de la procédure d'enquête autour de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Une correspondance émise par le parquet de Port-au-Prince a été adressée en ce sens à la bâtonnière AI Madame Nancy Suzy Legros. Le président de la République, Jovenel Moïse, exprime ses intentions de modifier le décret de 2005 régissant le fonctionnement de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Selon le chef de l'État, la CSCCA empêche la réalisation de certains travaux d'ordre infrastructurel de son gouvernement. Et nous parlerons aussi de l'ascension spectaculaire de la gourde sur le marché d'échange. C'est pour certains l'injection de 47 millions de dollars de la BRH est la cause principale de ce virement. L'économiste Eddy Laboussière préfère surtout évoquer des sanctions adoptées contre certaines banques commerciales et les pressions exercées par les citoyens. Mmh.
Et dans le billet de Jacques ce matin, un titre tout à fait spécial, les mots, M-A-U-X, encore les mots, M-O-T-S. Mm-hmm. Les mots, encore les mots. Eh bien! Paroles, paroles, toujours des paroles. Paroles, paroles, paroles. En tout cas, pendant qu'on dit paroles, paroles là. Et funérailles qui bâtonnier dans Figueroa, c'est pour vendredi qui a 18 septembre 2021. Et funérailles, il a chanté dans l'église Saint-Pierre qui est dans la commune Pétionville. Et puis tout, il faut que nous disions. Et pas funéraire national alors? Si c'est national ou pas. Bon, il n'est pas national, parce que M. Dambao, il te dit qu'il va mélanger avec des villes nationales. C'est comme mais si c'est l'État. Oui, c'est l'État. C'est l'État. Et M. Dambao, il n'a rien à voir avec M. Moïse. Oui, mais c'est après tout. Non, même pas qu'on. Sa loi a dit. Est-ce que les par exemple, vous autres, vous quittez dans l'État et quittez en poste? Et bon, oui, il n'a pas fait obligation pour faire une funéraire officielle. Ou bien, mais est-ce que vous avez fait ça? Funéraire officielle, là, il y a un choix lié. Il y a un choix de présidence là, qui a choisi Bailey ou non. Oui, mais maintenant, ça c'est pour un monde qui servit PIA, qui pas occupé une fonction officielle dans l'État. Oui. Maintenant, est-ce que, par exemple, on est qui bâtonnière? On ne peut pas passer loin. Professeur qui quitté l'État pendant plusieurs non, bah, va, 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 les professeurs. Non, professeur. Oui, mais en même temps. Non, non, non. Il était le bâtonnier. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une fonction publique que l'État reconnaît. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que dans la fonction que l'on a, il n'est pas fait et il n'est pas automatiquement et bien droit pour qualifié pour et on funérailles nationales ou officielles. Surtout conditions et le mort de bon, et même pas, pas poser conditions. Bon, c'est comme si le président de l'Assemblée nationale ou bien le président de la République. Officiel. Le premier ministre. Officiel. C'est-à-dire automatiquement. Il va venir oui. Officiel, non, M. Ambassade. Hein? Il va venir pas officiel, non. Il est officiel. Bon. On va venir officiel. Ok. Ouais, c'est ça, un fonctionnaire dans l'État, oui. Bon, Baron dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons officiel, non. Ok. Baron dit que comment nous avons qualifié, mais. Bon, en tout cas. Et puis tout hier, et par rapport avec les manifestations, des mouvements de protestation que les étudiants, en particulier les droits sciences économiques, Port-au-Prince, t'as organisé, et hier, dans les chaînes de masse, là, t'es une situation de panique, t'es vraiment grave, et par rapport avec les questions ça. Et m'a regardé des images de jeunes filles, t'as semblé, c'est Timon qui est l'école, ici, Marie-Jeanne, ou encore lycée jeunes filles, d'après information, yo, qui, ou même, t'es pris en pile gaz, et Timon, n'y a pas de cas québécois, t'es gagné. Est-ce que. C'est vraiment difficile. Et nous ne pouvons pas laisser confirmer l'information ça parce que nous apprenons que Gongo Timoun qui mourit dans la maternité et l'hôpital et général hier, au même moment que Tabay Gaza, on va essayer de la situation. Gongo Gaza, qui est jeune, qui est tombé tout près de la pédiatrie. Et là, ça, tout Timoun n'était pas en gaz. Mais paraît-il, Timoun ça lui-même, il était un gros problème de respiration. Ça fait qu'il n'a pas qu'à supporter. Son petit garçon qui a 5 ans. Il ne mourit pas. Il a confirmé qu'il mourit. Oui, bon, on a toute information. Ça. Tout le monde a confirmé. Mais maintenant, est-ce que la manifestation que tu as faite là, c'est une manifestation qui a été violée dans le stade? Bon, tu as un wash et tu as tiré. Ah, c'est un wash qui a tiré. Si tu as tiré, il faut voir le gaz qui est jeune. Oui. Il va accepter que tu as un wash. La police est obligée. Et une manifestation pâtée et non, mais, pacifique. Non, mais, bon, là, je pense que nous ne comprenons pas quelle façon nous sommes capables de garder. Et qui ça a commencé avant? Et est-ce que les étudiants sont capables seulement de décider qu'ils ont manifesté? Parce que le parcours de leur manifestation était déjà clair. Est-ce qu'ils ont décidé de manifester et puis pendant de manifester, ils ont commencé à voir le wash qui est bien sous eux? Et puis, est-ce que tout les policiers ont pas le gaz sans que pas rien qui fait ça se dit à ce qu'on a gardé mais maintenant policiers tout qu'on y a est-ce que yo t'a empêché étudiant au sorti par rapport à ça que tu gagne en terme de parcours yo pas gagne droit empêché au sorti yo pas gagne droit mais yo fait souvent yo t'a gagne sorti déjà yo allé le lycée et lycée Toussaint yo prend élève yo mettre dehors dit pour sortir là on pas gagne droit ça. Là, là, on n'a pas le droit ça. Non, parce que tout simplement, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. La constitution reconnaît le droit pour manifester. Mais de manière pacifique. Et, oui, pacifique. Et deuxième bagaille, c'est si vous voulez manifester pour aller manifester. Ou pas qu'à forcer le monde à manifester. Ou pas qu'à forcer à ouvrir l'école.
automatiquement, pas à l'ouvrir l'école, non, elle ferme l'école pour prendre le monde, pour entrer dans la manifestation pour aller. Donc, là, c'est une situation de confrontation que et la police ne peut pas j'aime partager. Pas plus ouais, d'accord. Ouais. Et ça que tu es obligé que la police fait usage du gaz et n'a pas n'a tout net à l'heure pour nous développer information ça va camper l'autre. Dans le développement de cette édition, une édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction de Classe de Brieux. C'est Margot Sylvain, réalisation, Olivier Bouchereau, micro Jacques Amboise, Maurice Saint-Eloi et Jean Fouchard d'Angers par rapport à la situation, tension qui était gagnée aux environs de l'hôpital et général. Et écoutez, que on nourrisson qui arrivait perdu la ville, nous gagnons avec nous. Responsable Pigo Centre Hospitalier Pays d'Haïti, docteur Colimon Adrien. Docteur Adrien, bonjour, merci un peu pour disponibilité ou et bienvenue sur Pacifique. Bonjour, auditeur du Pacifique. Télépacifique. Et docteur Colimon, et hier, tu es en situation difficile aux environs de l'hôpital et général. Et selon l'information, il y a un petit monde qui est arrivé et perdit la ville, s'il vous plaît. Ou capable de nous plus de détails par rapport à ça? Bon, comme tu as dit, tu as un de 5 mois, un petit garçon qui était hospitalisé depuis environ 3 jours pour malnutrition et puis en même temps, il a aussi une pneumonie. Donc, c'était mon petit monde qui était assez fragile comme ça. Et puis, pendant, bon, Baka dit que c'est gaz-là qui cause que le décédé. Parce que c'est un petit monde qui était déjà gagné deux problèmes, qui a gagné malnutrition et pneumonie, qui a déjà un problème respiratoire. Donc, on connaît gagné gaz dans le parage là. Et puis, si on a un problème respiratoire, le problème a été aggravé. Mais malheureusement, je déplore que tu aies un décès pendant ces circonstances. Je ne peux pas affirmer, enfin, catégoriquement, à 100% que c'est gaz qui fait le mourir. Parce que c'est bon, tu as déjà deux problèmes. Tu as une pneumonie, donc tu as un problème respiratoire, plus tu as une malnutrition aiguë sévère. C'est un petit monde seulement de 5 mois. Là, et situation capable et vient aggraver par rapport avec et question de gaz qui tabasse aux environs de l'hôpital général. À chaque fois, situation ça représente et docteur Colimon, comment est-ce que nous arrivons à faire face avec eux au niveau de l'hôpital général? Parce que ça, c'est un problème qui a posé et longtemps. La police a baillé gaz aux environs immédiats de l'hôpital là et gagné des timoun, gagné des malades qui dans l'hôpital là qui eux-mêmes qu'on trouve dans des situations difficiles. Bon,
Bon, effectivement, c'est une situation préoccupante parce qu'on connaît gaz lacrymogène lancé. Là, c'est irritant parce que les irritent les yeux, les irritent les peaux et surtout pour problèmes respiratoires parce que les diffusés dans le poumon. Donc, c'est assez préoccupant bon, quand on sent hospitalier qu'il y a des gaz parce que il y a des patients, des prestataires. Donc, vraiment, nous déplorons la situation, ça, parce que c'est une situation qui est très difficile pour nous. Dans plusieurs centres hospitaliers. Mais, docteur Colimon, ça pas j'aimerais vu que dans l'hôpital là, nous avons demandé la police ou bien le ministère qui est sous tête au rang pour t'avoir fait zone non zone stérile par rapport à peut-être fragilité qui gagne monde qui maladie les manifestations pour pas ta gagner aux environs et manifestations et manifestants qui passent bon là. Bon, je soulevais problème ça déjà parce que c'est à chaque fois des manifestations dans zone non pour disperser manifester toujours à bas gaz et à chaque fois compte tenu de proximité avec côté faire manifestation avec l'hôpital là et gaz toujours et gain au retentissement, nous toujours arrivons à respirer. Moi, qui fréquente l'hôpital, que ce soit prestataire, patient, nous toujours respirer gaz, qui sont des substances très irritantes pour la santé. Vraiment, nous déplorons la situation. Ça et c'est la première fois une situation pareille arrivée, et ça arrivait déjà que dans l'hôpital là, dans le cadre de distribution de gaz, et la police a fait aux environs immédiats de l'hôpital là, et que y a des gens qui sont morts dedans, des patients? Non, en principe, non. Pas jamais décès. Et c'est quand même jour, c'est la première fois que pendant la manifestation, on dit monde qui était déjà dans une situation très fragile, parce que nous jour, 5 mois seulement, avec malnutrition et pneumonie, et puis vingt et pour problème respiratoire aggravé, même pas qu'à jour, à 100% que faut à fait. On a une petite question, et madame et Adrien, comment l'hôpital là généralement a marché ces derniers temps? Bon, en principe, tout service a fonctionné pour le moment, donc on a dégagé, non? Ok, c'est pas chaque jour une situation facile pour nous, surtout avec tout problème antérieur que nous avons, mais on a dégagé quoi. Même service dialyse a marché normalement, docteur Adrien? Service dialysant, c'est l'un des services qui pas jamais campé l'hôpital. Ok, en tout cas. Et bonne nouvelle. Okay. Merci un peu le docteur Colimon Adrien pour disponibilité. Où. D'accord. Bonne journée. Bonne journée, en même temps. Voilà, c'était avec nous, docteur Colimon Adrien, t'as fait garder. Pour nous, ça, nous qui sommes 5 mois, eh bien, c'est sûr que c'est pas, probablement, c'est pas Gaza qui est cause et principale dans mon lit, mais il est capable de pousser lui. Parce que déjà, d'après Dr. Adrien, ceux qui sont déjà dans une situation compliquée et difficile depuis environ 3 jours à l'hôpital général. La femme dit, moi, je me dis 5 ans, parce que je suis un syndicaliste dans l'autre station radio qui te dit 5 ans, et son nourrisson, 5 mois. Et d'après ça, madame Marie dit. Et là, on va faire d'après ces problèmes. Non? Les gens qui ont un problème de malnutrition et aiguë. Ça veut dire que malnutrition aiguë. Tout le monde, c'est moi, et bien, l'être maman dit. Et oui, et non. C'est moi, oui. Oh, monsieur, c'était loi. Et oui et non. Ça arrive que. Moi, c'est après 6 mois. Ou non, non, ouais. Il a mangé avant. Maintenant, est-ce que qu'on y a la timoun nan ka pran lait? Hein? Il y a timoun qui est allergique à lait depuis au fait qu'il pa jam tété. Et l'autre bas, il y a mette encore. Il y a timoun konnen tout monsieur Boaz qui pa pran lait maman tout, qui pa ka pran lait. Qui pa pran lait maman. Maintenant, est-ce que maman a une possibilité pour l'acheter lait? Il y a timoun qui pa pran n'importe qui lait. Et lait vend tête nèg. Pour ça c'est nèg nous dit. Tête pour il va obligé prendre. Baronné tête blanc. Okay. Et ils vendent très cher. Donc, ça veut dire que problème malnutrition, hein, l'aller plus loin côté penser. C'est-à-dire. Et nous avons des extraits sonores par rapport à cette manifestation qui a eu lieu aux environs de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, hier, Maurice Saint-Delon. Oui, les étudiants qui n'entendent pas baisser pavillon, ils annoncent la poursuite de ce mouvement qui vise à réclamer justice en faveur de l'homme de loi. Et ils critiquent vertement le comportement des agents de l'ordre qui ont réprimé leur mouvement. On écoute un extrait des déclarations de ces étudiants hier.
qui a fonctionné, nous qui avons des étudiants qui ont mouru, nous qui avons des professeurs qui ont mouru, nous qui avons des hommes d'affaires qui ont mouru, je ne veux pas dire là, peuple ça va être zombifié. C'est vrai que nous avons développé une stratégie. Puis on les fait cagayo, puis on soumis ces peuples. Je dis aujourd'hui à nous, même en tant qu'étudiants qui battent dans l'université, nous dit la mort, professeur, pas qu'arrêter. C'est que nous pas une monde qui est impliqué dans cette malheureuse sao. C'est ça fait que nous sortis et dans la rue, je dis à la. Regardez, professeur, pas qu'à mourir nos pays, moi même en tant qu'étudiant, à la faculté de droit et des sciences économiques, nous vraiment consternés lorsque nous apprenons ce qui arrive, professeur. Le vendredi après-midi, moi-même personnellement, professeur, t'as adressé, quand il était dans le travail aux environs de 4 heures dans la faculté, il demandait mes informations pour que je dise qui compte deuxième année juridique. Et puis, je dis à l'étage, quelques heures plus tard, soit 4 heures après, nous prenons la preuve que le professeur lui-même perd la vie. Je ne veux pas nous avons un système. Nous pas un système qui fonctionne comme ça. Quand il y aurait tout à jour sur notre, pour dire non, espace, université, on ne peut pas arrêter de fermer. Nous dit, président, il y a des gens qui sont prêts à prendre le doval pour mourir, pour sacrifier le pays. Et des membres du syndicat de la police nationale d'Haïti qui ont manifesté en vue de dénoncer la révocation de leur porte-parole à Belton Gonègue au sein de l'institution policière et le climat d'insécurité générale dans le pays. Alors que les protestataires voulaient se rendre au Champ de Mars, le mouvement devait prendre fin. Arrivé à Poste Marchand, les forces de l'ordre ont fait usage excessif de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui n'ont pas pu atteindre la destination finale. Écoutons. Présence dans la rue à l'éclair, c'est contribuer à tout mouvement qui a fait échec avec le pouvoir sanguinaire, ça, pouvoir qui gangsterise le pays, ça, pouvoir qui vole comme Petro-Caribe. Alors, Jovenel Moïse, comme président pays, il a un seul rêve, c'est qu'il y ait pouvoir de façon pour le remettre avec famille Matéli, pour ne pas arrêter. Mais question procès Petro-Caribe. Nous-mêmes nous disons que c'est bien compté mal calculé parce que pas bien élection, a bien transition à plat pour faire procès Petro-Caribe. Et Jovenel, à partir de 7 février 2021, nous disons ça. Que l'ambassadeur entendez, parce que ça va avoir travail, nous pas responsable de notre pays comme président. Parce que nous fatigués, son pays gangsterisé, peuple en misère, il dans classe, pas de courant, de chômage, insécurité, toute qualité de problème dans notre pays. Mais est-ce que nous sommes juste pour capable sauver la famille Matéli, est-ce qu'on pense nous capable de supporter là? Je dis là, nous avons décidé de prendre la rue pour nous demander justice pour mettre Doval, pour nous demander justice pour massacre qui a fait un nom Bel Air Riel Maria. L'autre jour, nous avons regardé le président qui débarquait avec toute force la police, avec toute équipe, qui débarquait. Monsieur Gomba a fait, monsieur entré en dedans, direction générale de la police, monsieur Boté, toute ministre qui a dit, il dit, il prêt à aller, et non pas autre mal. Est-ce que le président son gueule d'avoir fait ça bien? Ou bien c'est résoudre, il d'avoir résoudre le problème peuple là? Pendant ce temps, nous avons un sac passé là, à quelques mètres du palais national. Mais la mairie dit qu'il va laguer en bas, relativement non. La mairie a marché là, à 6 mètres pour Yves Belé, pour aller sauver le peuple Belé. Et puis nous dit, nous dit c'est là, la Tibonite qui va laguer la mairie. Et puis, mon Belé a continué à mourir. Nous avons là, la lue, qui s'est passé hier. Mon cap mourir en bas de sécurité. C'est une raison, nous-mêmes, quand on a dit, nous prenons l'arrière. Toujours dans ce chapitre, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince demande à la bâtonnière AI de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince de mettre à la disposition de la DCPJ les avocats Wilgui Bessia, Emilor Joseph, Johnny Saint-Ville ainsi que la secrétaire de maître Montferrier d'Oval, Kitty Lindor. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la procédure d'enquête autour de l'assassinat de maître Montferrier d'Oval. Selon une note portant la signature du chef du parquet de Port-au-Prince, maître Gabriel Ducarmel, mais il faut faire remarquer que les avocats invités sont membres du cabinet d'Orval. Mm-hmm. Bon, en tout cas, on a suivi et qui s'est envoyé le bail. Le texte. Et... Mm-hmm. Quel texte? Le texte de Pascal Moïse. Ah, ouais, okay. Le texte. On doit d'abord essayer de Pascal et c'est mieux. En tout cas, pour d'aller regarder les textes que vous avez écrit sous des cas et présumés d'agression et sexuelle. Mais et bien avant, on a payé ces jeunes. Nous avons supposé parler avec Martin, il y a un droit monde qui vient pour avec et question ça particulièrement par rapport avec et avancée qui a pas gagné dans dossier et bâtonnier l'autre avocat pour Port-au-Prince qui malfrat arrivé assassiné et la Cali 28
28 août passé là et nous pape n'a pas essayé toujours rentrer en contact par rapport à des marches qui fait yo nous apprendre que gagne arrestation qui t'a fait est-ce que c'est vrai ou pas et depuis matin n'a pas essayé rentrer en contact avec et porte-parole la police nationale d'Haïti là Michel-Ange lui jeune que n'a pas essayé rejoindre ou encore Gary Desrosiers pour t'abandonner beaucoup plus d'explications par rapport avec information ça au bruit c'est tout. Pendant on parlait de organisation de droits humains la commission épiscopale nationale justice et paix CEJ l'a appelé la commission justice et paix de l'archidiocèse de Port-au-Prince se disent préoccupés par la recrudescence des actes de banditisme à travers le pays notamment de la capitale haïtienne selon un communiqué de presse en date du lundi 7 septembre passant en revue les différents cas d'assassinat enregistrés de la capitale haïtienne ainsi que la double attaque perpétrée au Bel Air les organisations disent partager la douleur des proches des victimes de ces actes de violence dénonçant la banalisation du droit à la vie dans le pays. La CEJLAP et la Commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Port-au-Prince se demandent plus loin à quand la fin du règne de l'impunité et de l'expression. L'enquête se poursuit en Haïti. L'organisme, à travers ce communiqué, dit réitérer son engagement à plaider en faveur du respect des vies et des biens des citoyens en Haïti. Voilà, et à présent, nous allons parler de ce communiqué de presse ou encore de ce texte publié par la structure dénommée les Guesses Marrons. D'après Saoudi Position, les Guesses Marrons sont accusations qui potait et compte messier d'Angelo Nia. Neges Maron lit dans média, dans date 5 septembre 2020, article Mitsou, car Célestin Souzak, monsieur d'Angelo Nia, ta commette sous lit, à Claude Jeune Femme, Zach Sayo, qui c'est Zach harcèlement, violence psychologique, avec tentative d'étonnement miné. C'est gros violence, femme actifie, absibi tout partout dans le pays, à jour après jour. Neges Maron, t'es lit quelques semaines avant dans le journal, en Haïti, Atik Maria Seba Baptiste, sous témoignage viol qui ont jeune femme Tassibi après enquête non bon côté monde qui concernait non messieurs d'Angelo Nea Tepote sous Axa nous t'es entré en contact quelques jours après à quelques femmes qui t'es écrit article là côté nous t'es offert assistance non pour diverses formes accompagnement jeune femme ça t'es besoin médical psychologique juridique et la trier démarche ça t'es occasion pour nous t'es joindre en pile information que jusqu'à présent nous kembe confidentiel et qui permettent nous faire lumière sur divers aspects qui important pour une organisation femme qui défendre et puis accompagner femmes qui victimes violence sous toute forme Neges Maron pas manquer prendre note tout plusieurs femmes sur réseau social yo qui t'ai partagé expérience par yo et puis qui continue relé en moi pour bon gens enquête faite après dénonciation sa yo Neges Maron voulait couper le bien bas pour saluer courage jeune femme sa yo qui décidait pas faire silence dans une société côté les femmes qui victimes violence parce que ces femmes prennent la parole société a tourné yon l'autre bourreau pour yo yon société qui a matérisé yo culpabilisé yo menacé yo et même détruit yo parce que yo c'est un moment difficile dans espace de décider dans manière li choisi si gen en pile femme qui choisit prend route ça yo mandé justice à réparation personne pas gen droit imposé yon femme qui gen pour lui faire face et puis parler passer cicatrice et puis malais yon zak violence qui fait sous lui victime nan c'est femme nan d'après ça nous capable nan note ça et Neges Maron aller plus loin pour demander pour institution concernée au fait bac sous toute action yo ta pensé fait pour pini jeune femme qui joigne courage parler en public sous zak yo sibi pour sente peine l'ouvrir ou bien demander une enquête sous ça qui passait en dans institution ça nan moment Mitsuka Celestin était dans résidence côté lité contre monsieur D'Angelo Nea. Après notre sortie, nous applaudissons lien important pour gain action pour restaurer crédibilité à confiance dans l'institution SILA pour ministre Titel Bibliothèque Nationale. Là. Monsieur Pradel Henrique, l'autre instance concernée, prenez-y engagement dans la bataille contre la violence sous forme de démarrer processus rapide pour Blahi Lumière sous Axa. Bon, et c'est dommage et que Pascal Boko voulait parler sous texte là, parce que j'ai publié le engagement. Qui prend responsabilité pour que vous communiquiez autour de lui par rapport à l'information que vous gagnez. Mais maintenant, par rapport à l'accusation, ça a gagné et Mitsuka, qui lui-même prend responsabilité pour lui publier texte là, et il lit texte là, et c'est comme une poésie, et son texte.
et je pense que c'est bon là son paquet d'aspects pour nous garder avec pour son ces informations pour nous prendre avec pincette tout par rapport avec et genre situation lui-même et lui présenter. Mais maintenant gagné sa tropène Haïti monsieur Amboise qui est au même tout communiqué autour de et texte que Mitsuka lui-même et lui écrit par rapport avec l'accusation ça que et l'hypothèse contre l'exécuteur général et Bibliothèque. Maintenant, il faut déposer plainte. Bien sûr, c'est ça. Et la prochaine étape là, c'est à déposer plainte devant Bakouné, si c'est commissaire gouvernement, si c'est devant juge. Mais pas ministère femme. Si c'est la ministère femme, c'est plein ou al plein. Maintenant, légalement, c'est pour aller dans la justice ou déposer plainte. Et comme étant donné que M. Néa, c'est un gros fonctionnaire de l'État, donc lorsque gros fonctionnaire de l'État, parce que et procédure pour qui doit pour avant qu'on réponde à une question. Mais nous-mêmes, on est toujours condamnés. Et toute forme de violence qui a faite, et ce monde est plus particulièrement sous forme. Actimone. Et nous pensons que faut que le mieux fait sous cause et qu'il y a bon ni pour pensionner à. Et ni pour mesdames qui peuvent plainte autour pour établir conditions et gens ça dépassé là parce que D'Angelo son jeune garçon et Mitsuka son jeune femme et notre texte il dit que à l'époque il était mineur il avait 17 ans bon justement c'est-à-dire et parce que Gomba arrivé et pour Gomba pour société à comprendre et Gemon Gaba dit l'autre à l'époque il était 17 ans c'est-à-dire il a pas dit c'est bon bagarre qui fait mais maintenant en termes de abus sexuels quel monde qui a porté plainte pour après 40 ans oui. Monde qui a porté plainte pour après 50 ans depuis le pour comme oui depuis le gagner et même dit preuve non en raison pour l'autre qui doit porter quoi décider justement donc il a été peur il a été quelque chose qui a été posé elle dit porter plainte contre viol contre harcèlement sexuel ou qu'a fait ça n'importe qui l'est que ou même ou décider pour capable faire contrairement à ça dans nos paquets municipaux et que les balles a été passé balle a gagné 5 ans balle a gagné 10 ans balle a gagné 15 ans il dit comme s'il pas valable non lui valable autant que comme si ou t'es fait Donc, nous avons attendu pour nous qui ça et qui a gagné en termes de processus juridique sur CASA, parce que son cas qui suscitait curiosité un peu le monde, parce que non seulement son personnage public, mais question viol avec harcèlement sur fille, c'est un bail que nous pensons que société ça doit. Et tout le monde qui gagne assez de moralité est très condamné parce que c'est un bail qui est belle pour la société. En tout cas, nous avons suivi tout à l'heure, nous avons parlé avec sociologue Alain Gilles par rapport à la situation et professeur à l'université, docteur en sociologie avec nous avons parlé de Bouche tout à l'heure sous la situation dans le pays d'Haïti et puis tout ça qui est pour avec la question d'arrestation qui est faite dans l'assassinat et qui est faite avec qui se fait sous bâtonnier l'avocat Porto-Précio. Eh bien, je vais tout parler avec Paul Pond après la police, qui dit libre de confirmer l'information, libérer les directions générales pour le connaître, et puis pour le bonheur plus d'explications. Sur l'arrestation qui fait, et le mort, soumettre mon frère devant là. Libre de connaître. Paul Pond, la police, pour reconnaître la police. Merci, Paul Pond, pour reconnaître Jacques et Paul. C'est pas mon frère. Nous sommes là pour nous connaître. Nous sommes là pour nous connaître. Donc nous connaissons. Le fait que monsieur a tellement de monsieur a s'il connaît, c'est on compte le temps de. Oui, son journaliste qui est contexte et puis qui dit ça. Et n'a pas essayé de confirmer avec les porte-parole et en après la police nationale d'Haïti, d'Haïti Ouzé tout à l'heure. Oui, pendant ce temps, le président de la République, Jovenel Moïse, exprime ses intentions de modifier le décret de 2005. Régissant le fonctionnement de la Cour des comptes et du contentieux administratif, selon le président de la République, la CSCCA empêche la réalisation de certains travaux d'ordre infrastructurel de son gouvernement à travers le pays. Le chef de l'État a fait ses déclarations le dimanche 6 septembre au Palais national. On l'écoute.
Voilà, pour les déclarations du président de la République, Jovenel Moïse. À présent, nous allons parler avec le professeur docteur en sociologie, Alain Gilles, avec lui. On va laisser garder pour nous et problématiques société. Je ne le dis à la. Professeur Gilles, et bonjour. Merci un peu pour disponibilité. Ou bienvenue sur Antenne Radio Pacifique. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Et son plaisir au privilège matin pour nous fontir et parler et avec vous, faire un pile travail sur ça qui est pour un pile réflexion, ça qui est pour avec question sécurité, avec qui pour avec l'État dans le pays nous. Je dis à la, l'on a regardé situation globale qui est pour avec question sécurité et l'État de droit en Haïti, professeur Gilles, qui soit dit tête en tant que sociologue. Bon, ça me dit tête en tant que sociologue, c'est que bon, c'est une spirale. Mais est-ce que l'espoir n'est pas développé? Ce n'est pas une trop surprise. Ce n'est pas parce que nous sommes en rupture avec notre histoire qui fait que nous vivons tout ça, nous vivons la loi. Mais ce n'est pas non plus statique. Ce n'est pas que c'est un bagage qui a proposé à l'identique depuis des années. C'est un bagage qui a reproduit sans rupture, mais qui a développé, c'est-à-dire qu'il n'est pas reproduit à l'identique, sans qu'il n'est pas en plus en rupture avec nos traditions. Donc on se comprend un peu à là. C'est-à-dire qu'en même temps que on se connaît en spirale, pas une rupture, parce que les spirales sont là, une balade, on prend 4 points d'extension, 4 points de développement, il prend une nouvelle forme, mais ce n'est pas non plus en rupture avec nos traditions que nous avons installées là dans les depuis d'ailleurs. Que nous sortir de ce travail d'une part, même des moments d'accélérer. Alors, depuis 1986, nous avons créé un mouvement accéléré qui est comme fondement, qui est comme soit d'appareil l'esprit qui a animé lui, soit d'appareil les violences. Quoi, nous gagnons, on ne peut pas sortir de 1804, nous ne pouvons pas sortir dans. Et sur la carrière en forme coloniale de vie, nous gagnons un secteur qui est contrôlé sur la carrière économique, mais c'est un secteur qui est lié à la construction de la nation, à la construction de la société. Et parce que quand même, depuis bien avant l'indépendance, nous gagnons en catégorie de gens qui entraient, qui inscrivent dans une dynamique société avec une mentalité coloniale. Cette mentalité, qui sont mentalité de, bon, s'enrichir par tous les moyens, n'est pas jamais disparaître. Donc la construction de la société par la mobilisation de tous les secteurs, la construction du marché national, la création d'emplois, la création de liens sociaux, la création de rapports de confiance entre les différents groupes, nous pas même inscrits dans une telle dynamique, et que ça nous fait qu'on retrouve une société décousue, où il y a des milliers, des milliers, des centaines de milliers de gens qui n'ont pas aucun lien organique avec la société. Et bien par conséquent, écoutez, les violences inscrites comme étant une arme de combat politique, une arme de combat de sécurité. Bon, écoutez bien, avec tout ça, c'est pas bien aucune surprise que nous devenons jamais de tout ça. C'est pas une surprise pour moi-même. Oui, il n'est pas une surprise et par rapport à ce qu'on dit là, et ça nous comprend tout, et professeur Gilles. Mais maintenant, est-ce que violence là, pas qu'on gon le, lui prend. Et l'équité est anormal là, c'est la deux mesures, c'est-à-dire et ou gain pression journée aujourd'hui, nous dans situation côté que angoisse là et pas de jam aussi grand et puis c'est violence qui tout côté et consciemment ou inconsciemment et ça pas gain gros impact sur devenir société ça. Oh, il va y nous. Ou bien, deuxièmement, ça me fait penser, vous avez, ou bien des formes d'action qui me rappellent une fois bien enfin le barou là. Comme vous avez déjà, par exemple, dans l'article de Kabu, une fois bien enfin, et dans la montagne, et puis qui descendent, une sous-route là,
et puis qui fait razzia, qui pille boum, et puis le remonter, reprendre en bonio. Mais c'est son forme d'action qu'on a dans le temps de la trace au marronnage, très bien au marronnage. Sauf que, ou bien non, le contexte. Parce que quand maintenant vous avez le marron, très bien enfin, et de ce domaine, si on a refusé l'esclavage, tout le monde a quitté en fait pour liberté. Donc il y a toutes raisons pour capable et considérer comme étant on a acquis des actes en fait positif. Mais là maintenant, l'inscrit dans l'autre, vous venez faire rupture avec la colonie, vous faire rupture soi-disant avec l'esclavage, et puis vous ne pas vraiment faire rupture avec parce que vous gagnez des gens qui n'ont pas inscrit dans la dynamique de constitution nationale. Et c'est passé là, oui. Ou bien, ou bien, la toute grande majorité de ceux qui n'ont pas jamais inscrit dans le projet de constitution nationale. Mm-hmm. Ou bien, pas du tout dans deux jours, mais dans deux jours, afin de pas faire des sécurités. Ou bien, la grande majorité de la population, ça, que nous, que l'ennemi de fait ou qui en 1804, ils n'ont pas inscrit, ils n'ont pas gagné l'école, ils n'ont pas gagné le travail, ils n'ont pas gagné l'hôpital, ils n'ont pas gagné la route, pour comprendre. Et puis, il y a la guerre, sauf une façon d'utiliser les besoins de la douane, parce que ce problème, il ne doit pas l'être. Il y a la douane, sentiment de, parce que ce problème, il ne doit pas l'être. Il y a un sentiment de, il ne doit pas l'être. Et puis, pouvoir pour le prince, vous avez beaucoup de sentiments de, il ne doit pas pour le prince. Ou gagner maintenant les différents mouvements qui n'ont surtout le pouvoir pour le prince. Mais c'est moi qui ai eu le plus mobilisé le besoin. Il n'y a pas d'hommes inscrits dans le projet de construction nationale, par la construction d'écoles, par la construction de marchés nationaux, et de manière à ce qu'il y ait reconnaître que nous avons un pays. Donc, on nous dit que nous avons un pays. Et. Et de structure, et ça qu'elle a parlé, et désorganiser ça, mais jusqu'à aujourd'hui, nous, il n'y a pas ce discours et porteur d'un rêve collectif et d'un rêve national. Et puis, nous, paupérisation en lui-même, chaque jour, la point plus ampleur. Donc, ça qui a fait, comment ça a arrivé pour au moins prendre forme en société qui dynamique? C'est ça qui est important. Leadership qui construit pour un culture avec ça, mais pas facile. C'est pas facile. Pourquoi on voit avec une tradition qui est aussi bien ancrée? Pour commencer, il faut qu'on vous connaisse. Il faut qu'on ait que ça dans plus de sections. Faites pas des mouvements pour ceux qui vont demander pour les sections. Pas dans plus de sections. Faites pour montrer continuité entre le système qu'on a l'esclavage là et la réalité que l'on se là-dedans après l'indépendance. Pas dans plus de sections. Si vous regardez par exemple, les sections administratives, les sections qui sont faites dans la dopage à Casimir. Il y a très rare une production faite sur la construction de l'État en Haïti, sur la construction de la nation en Haïti, par les gens qui sont compétents. Par l'université, ou par le laboratoire, il n'y a aucune université qui existe là, avec des historiens, avec des sociologues, avec des politologues, qui ont une formation, on appelle une masse critique. Combien de deux, trois, qui ont ici, là. Mais ça ne suffit pas. Mais ça, c'est un. Mais deuxièmement, nous ne pouvons pas nous connaître, nous ne pouvons pas nous demander, nous ne pouvons pas nous connaître, tout le monde. Pour gagner 300 partis politiques qui sont ouvrent la carrière et comme âme de combat, qui sont là comme idéologie. Quand on parle d'opposition dans ce pays-là, on parle d'opposition, tu vois, mais de quoi? C'est pour opposition idéologique? Ou bien opposition comme Nagado simplement, et pour nous, et nous va prendre l'élection avec ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ça des plus. Ça c'est un discours politique. Qui construit de la construction d'une nation, de la construction d'une société. Donc, on n'a pas gagné une unité qui a circulé dans le pays, quand on n'est pas d'accord avec lui, on est d'accord avec lui. On n'a jamais dit qu'on est d'accord en gros bagage. On est d'accord avec lui, on est président, on n'est pas d'accord pour l'investir. C'est ça qui a gagné une bagage de différence. Oui. Mais là, avant une question ça, vous réponse sur ce bail et par rapport à Jean Moun pour pouvoir en Haïti, Nexotinan, non, Nexotinan Sud, il marche vers votre poste chaque bourri qui est prêt dans son pâturage, Jean président et non président et Nissa Sarah dit. Maintenant, est-ce que les par exemple, si nous prenons
configuration pour tout le monde, avec et tout quartier populaire qui gagne. Et nous voyons que gagne un peu d'armes qui distribuent dans le quartier ça. Est-ce que pas avez deux alternatives? Servir à examen, ça veut dire gang et entre eux, ils a mangé l'autre. Et par exemple, si on est dans la Cité Soleil, en haut, en bas, tel quartier, Belécou, Pavle Ouest, ceci, Pavle Ouest, cela. Mais, par exemple, de l'autre côté, par rapport à ce que je parle là, quand on discute pour dire que les gens ont tout pu sortir, ce n'est pas la solidarité, mais qui s'est nous a mobilisé sur lui pour qu'il permette de sortir dans la misère et dans toute qualité, dans la précarité que nous y a. Est-ce que ce n'est pas voulu par les élites et de ce pays et monde qui comprennent que c'est seulement comme ça pour Kembe et monde dans situation ça. Définitivement, c'est pas la violence que ce pays se tient. Mm-hmm. Une violence comme mode de migration des masses. On a dit vous gagnez tout une capacité politique pour un pays ça, seul bon monde qui a à le détruire et on sort électoral pour lui, seul bon monde qui a à le tuer le candidat pour lui. Il faut qu'on monde qui est capable de poser un acte violent pour tous les candidats du Pénatazek jusqu'à président. Si il n'est pas gagné l'autre façon que l'Ivel Caribus. Qui c'est mieux? Pour le ordre politique en Haïti, c'est mieux. Pour aller comme figurant, pour jouer à présenter, sans façon de question. Mais si effectivement il y a un combat politique en Haïti, il faut dégager pour ne pas faire violence. Vous savez? Bon, ça c'est une monde qui a une activité économique dans le pays. S'il voulait qu'on ait un compte, nous allons continuer pour une activité économique, pour rentrer dans la violence économique. Et professeur, sous mon clinique, dans certains quartiers, sous un temps avec un ensemble d'agadons en bande de gens dans l'environ, on ne peut pas continuer cette clinique là, non? Et nous ne pouvons pas être banquiers, nous ne pouvons pas être banquiers, relations que nous ne pouvons pas analyser. Non, c'est ça. Ou bien c'est une entreprise de rien. Et souvent, on entend nous avec ce paquet de monde, on va perdre l'entreprise. Nous, mon client, souvent, on entend nous avec qui on va perdre lui. Ou bien l'école, on entend la possibilité de nous perdre l'école là, oui. Et ainsi de suite. Et la professeur, il y a des gens qui ont dit que violence, ils vont côté pour les définir nous. Maintenant, par rapport à la violence qui gagne, c'est comme si il vit une réalité, nous, et de manière quotidienne. Par exemple, l'en prenant violence à qui là. C'est même moment, président de la République décidé pour le dire par rapport avec difficulté que des projets non conformes avec la loi t'ajouent au niveau de la Cour des comptes pour yon mener loi 2005, pour yon décret de loi 2005. Pour qui ça? Pour yon faciliter au bagage ça. Et je dis à la, même président de la République là, par rapport avec même violence ça que nous trouvons nous, c'est même moment président ouais, pour le mettre quand campé KPL pour faire organiser l'élection. Et c'est même violence ça capable de dire qui a fait. Je dis à la pour le faire depuis 8 heures, bandi au contrôle la rue net et presque tout qu'on a porté la caillou. Mais maintenant, par rapport avec pyramide ça qu'on a parlé de tout à l'heure, comment spirale ça pardon, comment ca sorti là dans s'il vous plaît. Bon. Bon, on peut dire laquelle l'état se construit par la violence. L'état qui vient national là qui vient arriver à intégrer à créer une société dans l'ordre dynamique, c'est pas la violence qui vient créer lui. C'est-à-dire que souvent, on parle au moins jusqu'à penser que même cette affaire, il y a parlé depuis quelques temps de la presse, en sorte de des gangs qui fédèrent les têtes. Bon, écoutez ça, vous avez des gangs qui fédèrent les têtes, que ceux qui fédèrent les têtes, que ceux qui fédèrent les bon, qui financent ça pendant l'important pour moi. Mais attendez un instant qu'on a fait pas rien, des gangs qui fédèrent les têtes, si statistique, c'est ton bagage, tout est annulé. Qui était des capacités pour battre, pour épouser comme la solution de la violence dans ce pays. Bon, dis-nous, c'est son stratégie de construction nationale d'établir, en fin de compte. Parce que l'État prend naissance dans la violence, l'État va prendre naissance dans la garde-robe, nécessairement par des négociations entre des gens, tu vois bien qui. Non, une lutte entre des factions. Entre des gens, entre des bourgades qui étaient relativement indépendants, qui intégraient maintenant le projet national par la violence. Donc, c'est un dilemme. On n'a pas un seul chef d'État en Haïti depuis 1804 qui jamais a le pouvoir en dehors de la violence, puisque ne prend pas la violence. On a inscrit le droit de l'enfer comme élément
de contact pour mettre accès au pouvoir, pour mettre le pouvoir et pour mettre à contrôler le pouvoir. Mais maintenant. Et par rapport à dernières mesures et que le gouvernement qui l'a apprend, et il y a un peu de monde qui dit que le pouvoir central là, plus particulièrement le président et Moïse, et a fait violence sur un secteur et dans la société, plus particulièrement, et un peu de monde qui a investi, etc. Et t'as coup, hier matin, il y a un professeur Laboussière. Et nous avons fait une approche tout petit sur le secteur pétrolier. Et le président dimanche a parlé de. Et mon gars fait gros cob dans le taux de change. Et ça fait des décisions qu'il prend. Et pour qui fait que le dollar baisse d'après mon gouvernement. Est-ce que forme de violence a qui permet réellement une prise de conscience dans le contexte que nous sommes là? Qui manquait, parce que on pas connaît le projet, pas qu'on projet, pas qu'on projet derrière Aksayoua. Parce que n'importe qui, on pas qu'on projet derrière, parce qu'on pas gagné, on pas dans la cuisine, on pas qu'on pouvait pas explicite. Vous comprenez? On pas explicite, donc on pas qu'à prononcer sur les vrais, c'est sans se dire là, comme hypothèse, on pas qu'à écarter tout à fait. Parce que toute matière, pas des mondes qui pas connaît que, gagner pour Dagadou en danseur, secteur d'affaires ou secteur économique, en toi et beaucoup de bien, ou gagner des gens qui, Dagadou, et on est chez eux, pas même moyen que nous, qui toujours existé pour nous, sur Haïti. Sauf que Dagadou est une économie entière, sauf une société entière, comment est-ce que le monde Dagadou fait l'argent là-dedans? Et bien, surtout pour notre peuple, pour nous, pour nous, pour faire l'argent, pour nous, 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 pour pour capable de continuer à faire l'argent. Lorsque l'économie rentière, on fait l'argent, eh bien, par des moyens non concurrentiels. Il faut exclure le concurrent, il faut avoir un contrôle de la politique pour avoir un mot économique. Il faut que c'est un seul qui peut chanter. C'est la vérité que maintenant, il faut gagner les taxes pour capable de garder des positions. Ça est là et forme de violence qui gagne sous toute et sous toute forme dans la société et violence économique, violence sociale et violence et dur là de moun goumak moun et nous ça chaque jour dans la société. Est-ce que par exemple Jean Noël gouvernement et président Moïse avec le premier jeudi tête droite pour élection ça a yo pas générer plus violence en dans société a si on t'arrive fait. C'est un pari. Ça fait un peu de temps que pas d'un crime dynamique
ça, je ne pas tant de que pas gagner, je pas gagner ça derrière sous force idéologique. Pas gagner document, on pas connait si gagner des gens qui réunissent autour d'une table cap juste qui ça a fait là. Là on connaît que c'est pas la violence pour arrêter la violence. Pour pas arrêter la violence, on va de pas de temps parce que la violence est pas faite. Comme si toute violence, on a dit que la dernière pour qu'il y ait des gens qui existent depuis l'époque coloniale. C'est pas la violence que le pays se tient, c'est pas la violence. Mais maintenant, écrit déjà dans le document que nous avons au texte qui est disponible sur notre côté, nous dit que les masses et les délits se tiennent par la violence. Mais est-ce que par contre, si nous prenons un système qui est dynamique et qui a une force pression qu'a fait, et tant que l'histoire lui-même n'est pas statique, il évolue, est-ce que le mode de violence n'a pas qu'à côté, il éclaté de par lui-même? Bon, il va prendre leur forme, il va éclater de par lui-même, l'histoire va être comme ça, non? Non, comme si avec ou sans pression organisée, pression extérieure organisée. Par rapport à et dynamisme. La première forme, nous avons l'impression de capter une autre forme, parce que forme n'est pas actuellement à son forme que nous n'avons pas et écoutez bien, pendant l'état du Vaïs, on inscrit en forme de violence. En forme de violence dictatoriale, côté que, du coup, on vote doucement, on va dire, on prendre, on est oublié, on ne peut pas dire, et tout, il va les détruire systématiquement, il va les détruire. Thématiquement, tout le monde qui n'a pas même pensé contre lui, c'est pas pour une réaction contre lui, non. Il va par hasard, pour gagner un bagage de toute profession d'université, tout avocat, on va dire les compétences, tout grand médecin, tout est bâti, on va dire une partie, ou bien sous forme des villes, soit dans le Canada, soit en Afrique, ou dans le pays, et dispersion, on va dire pas la population, pour la diaspora, et les époques où on a des mondiales. Mais le résultat de systématiquement, de l'œil pour pouvoir jusqu'à ce que l'œil quitte le pouvoir après 30 ans, qu'ils ont un bien, ils ont mis en roulette. On va trouver une vide, et puis on va inscrire à partir de la 26, que l'on forme une société de masse, sans connexion. Professeur Gilles. Et avant de poser une ou deux dernières questions pour finir l'interview, on monte le drapeau, on a tourné dans 15 à 20 secondes. Pas de problème. Il est déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures. Professeur Gilles. Oui. Maintenant, professeur, est-ce que dans Jean-Noué et Bagalaye et Jean-Noué Jodia, et situation en tant que sociologue, 6, 7 et 8 juillet 2018, tout est dans le pays? Quoi? 6, 7, 8 juillet 2018, où tu es en Haïti, l'été gagné. Oui, oui. Ok. Mais maintenant, moi, j'ai des signes qui semblaient à 6, 7, 8 juillet et la situation a vint et puis mal chaque jour. Ou pensez que y a un risque pour nous vivre et même j'ai un événement ça ou bien qui vient de et que quel est ça? Le risque de nous vivre, c'est bien. Il n'y a pas de disparaître pour qu'on t'éclise. C'est une relation spirale. Là, prend des formes de plus en plus. Faut logique, c'est pas une sorte de bain mat. Parce que je dis, si tu n'as pas attention, c'est pas ça qui est sûr. Donc, si tu n'as pas ça aussi que les pays, ça a fait absolument. C'est pas ça, pour vous dire. C'est pour inscrire les violences depuis que ça a existé. Bon, évidemment, il prend des formes différentes. Mais puisque il n'y a pas aucune autre force qui nous est qui bloque, comment il fait disparaître ça? C'est que l'eau,
pendant 2015-2004 que l'Américain a allé occupé le pays, pour être en parenthèse, mais c'est parce que c'est occupation. C'est une occupation militaire. C'est une occupation américaine, c'est pas une occupation administrative que dire. C'est une occupation militaire. Et puis c'est une militaire. Le dernier président pour pouvoir que les Américains réussissent, c'est les Américains pas de fini. C'est le gros qui a pris dans le pays d'Haïti. Mais il y a la tête de cas pour que le temps de pas. Et maintenant, on dernier, et une question pour nous finir, et professeur. Dans la dynamique, ça, et vous avez dit tout à l'heure que seule la violence carité violence. Et nous dit que nous avons une dynamique, faut qu'Haïtien ta joué dans le côté, vous entendez. Comment entendre ça, Rafet? Ça, moi-même, pour expérience, ça, moi-même, je ne vais pas vous comprendre. Ici, vous l'entendez, qui a essayé de okay. Ce sont des groupes qui ont des méthodologies différentes et puis ou bien ce sont des gens qui sont vraiment. Moi, je suis arrivé là, je me dis pour moi-même, je vais dans le dialogue là. À qui dit? Au nom de qui vous? Au nom de qui c'est peuple? Vous représentez les paysans, vous représentez les entrepreneurs. Bon, comptez-vous, vous dites que c'est secteur au pays là, c'est là le problème. Donc, il y a 300 millions de personnes pour qu'il y ait un fonds de dialogue. Et vous, 300, c'est juste pour moi, demain matin, il y a 200, demain après, il y a 500. C'est au nom de qui ça nous a diminué la pauvreté. Qui dynamique, qui nous dit que on l'a 100, on l'a 200, on l'a 50, on l'a 300. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par conséquent, on se sait qu'il faut organiser autour de production, autour de axes. Même le dialogue en pays d'accord aux États-Unis, que c'est dialogue entre deux grands partis politiques. Lorsque le dialogue en République dominicaine, qui est un petit pays à peu près dans la position, pour histoire, pour la position, mais qui est un petit peu très différente, ce sont des gens qui ont des secteurs clés dans la société, dans l'économie, qui sont autour du peuple, pas plus que 3-4 à la rigueur. Mais au bout du dialogue entre 300, entre 500. Nous-mêmes, pour qu'on parle, si on les voyait, que les masses de société a eu, tout ce qui était limité. On va avoir 600 000 pour parler de la société, comme on dit 500 secteurs. Et en tant que sociologue, qui porte de sortir là, Richard, en situation macaron là? Ça qu'a fait? Bon, on est sociologue, c'est pas en tant que sociologue, pas nécessairement un discours normatif, pas pasteur, pas parfait. Nous n'avons jamais. Pas mon discours normatif, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ce que moi-même, je vous dis, d'après l'histoire, et ou pas résoudre nos problèmes comme ça, sans ou pas gagner des armes de deux manières, de deux types. Soit une arme biologique, c'est-à-dire vous gagnez et une arme captée pour poser une explication de problèmes qu'il y a, on va être bien construit et qui ne peut pas accepter de faire l'effort à l'école. Pas l'école dans le sens. Il faut faire l'école politique. Donc, pas de l'âme, ça en a une âme biologique. Qui a une différente forme, des radios, des journaux, il est bien construit. Et tout le café, il est à l'école. On va participer à une bataille de l'Oban, on finit par vous réviser les études de l'Oban, et puis après 5 ans, 6 ans par an, et puis le bureau, on se bat petit pour gagner. Sont un des pays assez pas inscrits dans une dynamique telle que le produit parti politique à son image. Le produit pour cette université à son image. Comment on peut faire d'aller à côté de cette université et puis ou pas on crée les professeurs, on crée l'entrée, on commence à rentrer, comment ça va? Dis professeur. Tout pour nous faire ça ouvrir. Dis tout pour nous faire ça ouvrir. Une reproduction pour la société de la même façon. Nous, on fait partie politique, même si on est professeur, même si on est avocat, même si on est à l'école, etc. Donc, alors, pour répondre à la question que j'ai posée, il faut d'abord une arme biologique. C'est-à-dire qui construit autour d'idées, qui construit autour d'une représentation de l'histoire du pays, de façon à fonctionner. Mais ça, c'est moi qui connais qu'à faire. Mais qui cache. Mais le livre qui pose, qui passe par là, dans l'article qui est écrit dans le livre, qui passe par là. Comme on dit, il y a soit le livre, soit des éléments pour construire le projet, ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas lire. Et
mais on pas senti et même pas ouais même s'il est par exemple tant que ça dit sous temps des présidents Jovenel Moïse ces derniers temps ou t'a dit que gon l'idée que veut aller autour de lui mais ou pas senti ou pas gain contenu ou pas gain bazar par contre ça derrière projet et l'opposition c'est même peuple là c'est ça va dou il faut que tu gagnes ta gadou des documents qui traduit en créole créole simple et puis gagner des acteurs qui traversent ces pays là c'est ça qui expliqué dans des petites réunions par-ci par-là représentation des problèmes pays là qui passent dans la dynamique historique faut que nous capte ça les postes sont pas équilibrés et systématiques c'est qu'on va capter pour être à deux ou prendre pas la violence ça c'est un mot d'antidéologie là on sort fort faut gagner aspect ça. Maintenant, pour entrer dans la bataille politique, là, tu l'as acheté. Parce que politique, c'est pas une bataille qui fait la gagne en douceur. Pour entrer dans la bataille politique sérieuse, il faut être capable de arriver par cette idée, ça, pour maintenant inscrire tout le pouvoir dans la constitution du pays, au bon pouvoir. On va gagner une note, à mon avis. Tu as chargé. Merci un peu, professeur Gilles. C'est ton plaisir pour nous déposer. Merci. Voilà, c'était avec nos professeurs Alain Gilles, docteur en sociologie, qui a fait un avec nous matin. Sous situation globale, pays, eh bien, nous allons passer dans le mot du doigt, Olivier, qui s'est dit matin là par rapport avec ça qui est dans le pays, on suit le mot du doigt avec Maître Olivier Dumas. Pour qu'on doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien, à cloner ou dignité ou liberté ou. Pacifique FM a présenté ou, le mot du doigt. Droit mental qui pour fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Le mandat 29 mars 1987, là, peuple haïtien a décidé de prendre la rue en masse pour te ratifier la Constitution. Non seulement il était choisi à bailler une réplique à régime Duvalier, mais tout pour te enterrer net. Régime politique traditionnel là, dans le pays d'Haïti, ça a eu le présidentialisme là, côté dit d'antan, tout pouvoir était chuté dans un seul individu, à savoir président. Contrairement à autrefois, côté président était en même temps chef d'État et chef gouvernement, côté elle était pouvoir fait et défait dans l'administration publique là, nommé, révoqué, j'en ai dit, il était droit à la vie à clé mort sur citoyen. Constitution 1987 l'a dit, coupez-moi ça sec. C'est dans ce sens ça, d'ailleurs, il crée poste premier ministre. Qui sont contrepoids à toute éventuelle dérive dictatoriale président. Constitution a retiré question organisation élection au tout dans mes présidents via ministère intérieur pour le confier à l'organisme indépendant, bien entendu, que Constitution connaît qui existe depuis en 1987 et qui est le Conseil électoral permanent. Dans les affaires contrôlées qui façon l'argent pays a dû dépenser, c'est vrai que c'est pas Constitution 1987 là qui venait avec création de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là, mais contrairement à autrefois, côté c'était Tipoul qui démarrait dans pied table président, d'autant que c'est lui-même qui dégaine droit non même même lio. Je ne veux dire non seulement Constitution 87 là et l'âge attribution les consacrer autonomie et les dit la Cour supérieure des comptes doit travailler en toute indépendance pour connaître si chaque centime l'État bien dépensé. Et de l'autre côté, à travers le processus décentralisation, Constitution exige participation population dans toute décision importante qui envisage le développement pays. Dans l'affaire respect droit monde, Constitution 1987 là, place respect liberté individuelle tout citoyen en dehors toute emprise pouvoir public. Question pour un haïtien besoin visa pour le sortir ou bien l'aile de yo pour le rentrer dans le pays. Yo zam efficace dictature qu'on utilise en pile pour des prita adversaires politiques qui étaient en dans le pays ou bien pour te kembe dans camp loin, pas proche. C'est là où il y a deux pays. Constitution dit que bagay ça a fini. Tout comme, d'après Constitution, il n'y a pas le droit d'exiler aucun citoyen ni forcer à quitter le pays pour aucune cause. Constitution dit tout dans quelles conditions pour arriver à priver au monde de liberté. Non seulement il n'y a pas le droit d'arrêter personne en place sur l'autre monde, tant que ça a été fait sur le régime dictature, mais tout, depuis pas de flagrant délit, il n'y a pas le droit d'arrêter ni fermer personne en prison sans mandat et autorité de la justice et compétence pour ça. Et en application principe habeas corpus la Constitution a consacré, depuis mon n'a passé plus passé 48 heures sans ne pas paraître devant juge naturel ou bien ne pas arrêter les gens la loi dit pour sa fête, la justice le bail l'ordre la guille tout de suite. Et un peu l'observateur par jamais suspendre faire remarquer que c'est grâce à procédure habeas corpus ça, la justice toujours veut desserrer code persécution politique là, chaque fois il était sorti pour le tout fait citoyen yo,
sur diverses dictatures ou bien divers régimes qui ont tenté d'établir dictature dans le pays depuis 1987. Ça, c'est quelques parmi divers autres acquis démocratiques. Constitution 1987 l'a consacré et qui dépend des populations ouais dans lit un instrument pour aider le changer condition la ville et puis prend la rue en masse pour te approuver le jeudi 29 mars 1987 là. Un rêve que peuple haïtien toujours attend un jour qui transformé en réalité environ 3 décennies depuis que bay vote ça en faveur constitution même si entre-temps c'est pas deux monde qui gagne temps régler causé yo et qui continue à régler causé yo causé famille yo Zami ou akolitio sous deux constitutions ça qui d'ailleurs pas manqué gen bon dos et au détriment peuple haïtien. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Rete branché. N'a tourné talle. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour c'est un petit mot de syllabes qui cal ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui aide un prochain passer un bon journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça, la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport mon ak moun dans le pays. Pour référence BRH pour mardi 8 septembre 2020, c'est 101 gouttes 21 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté dollars qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, taux référence là disponible tout temps sous site BRH là www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti ou soit au carré les centre contact BRH là gratis dans 80 74. 101 gouttes 21 pour $1 américain. Dans l'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale, Office national identification, ONI, tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. ONI a profité rappeler tout le monde, délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020, Cap Vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau ONI déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis bay au service pressé avec bon gens accueil. Ou doit marcher avec une pièce là yo, baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec acte mariage. Pièce d'identité si là, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fèl la. Tant kou, empreinte doit li, empreinte gel avec reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résiste ak glo, chalet, et puis ba yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade doit dégager au koumet Jean-Jacques pour gen nouveau 4 avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le tefel là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein. Moun cap vive ak yon handicap gen priorité dans tout bureau ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour le faire 4 là. C'était un message Office national identification ONI. Maman, car on machine. Police de crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, tapa tap, ça c'est Subaru. Yes, le paiement n'est pas du sol, Subaru. Boum, pas que prenant wacha, elle met Subaru. Yes, police de crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, tapa tap, ça c'est Subaru. Le paiement n'est pas du sol, Subaru. Yes, pas que prenant wacha, elle met Subaru. Subaru, mettez mon frère, mettez moi. Chaise malaise moule soir qui machine lick swap jeune n'a pris ça yon machine japonaise wa di konnichiwa konnichiwa kado chassis machine classe si c'est pas le vire regardez les ma passe tout mes kado vitesse kado sécurité kota pas ka passer kon Subaru toujours passer police crash check ça c'est Subaru vous me vous pas ka ça c'est Subaru je peux mon nègre du sol Subaru Subaru que prendre un wash et me Subaru Subaru police crash check ça c'est Subaru Subaru, pas de bonne wash, lève le Subaru. Sous ta remé gon Subaru, même j'en vem, vin jouen nous dans Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Wouta Youpoa. Téléphone 29 41 25 44 et 29 41 25 45. Et sous net là,
automeca.com. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseils déco ou commandes personnalisées, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème, sur Facebook et Instagram, à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie non en relais Pinson SA. Elle n'a pas aucun autre nom. Pas prendre un fromamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Pendant le pays États-Unis, Haïti et les partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison qui a porté en pile cyclone. Pendant la pandémie COVID-19, nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de prendre un bateau pour faire un voyage dangereux sa yo, qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après l'autorité de l'État qui a été en bateau pour voyager, montrez-nous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans le genre de voyage ici. Là, yo. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui est plus sûr, qui a plus de sécurité et puis plus prospère. Radio Pacifique, qui nous branche, écoute et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Codipé, Fort-Liberté. NIP, Jacquel, et puis dans la diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h21, bienvenue dans la deuxième partie de cette édition et nous allons continuer avec les différentes informations bien avant de recevoir notre deuxième invité pour ce matin, en fait notre troisième invité. Pour ce matin, il faut dire que l'économiste Eddy Labossière a parlé concernant la gourde, l'ascension constatée de la monnaie nationale face au dollar américain, du grandement aux mesures de sanctions infligées aux banques commerciales par la BRH, de l'avis de l'économiste Eddy Labossière. Au lieu de 47 millions de dollars injectés sur le marché d'échange, le professeur Labossière a préféré mettre l'accent sur les pressions exercées par les membres de la population ces derniers jours pour forcer les responsables à stabiliser le taux de change. Eddy Labossière était l'invité de Pacifique Matin. Donc, il faut trouver d'autres facteurs. De mon point de vue, parce qu'il y a deux facteurs. Des facteurs et la facture fondamentale qui explique volatilité, changement et appréciation de la goutte. Le premier facteur là, c'est sanction. Ça, c'est notre dimension. Si on voit le renfort de l'histoire économique récente d'Haïti, donc centrale clairement pour des sanctions contre des banques fautives. Où la sanction, ça a pour effet que. Mais je viens comprendre que la Banque centrale n'a pas dormi encore. Parce que la Banque centrale a vu derrière. Et en particulier sur les taux d'échange. La vu derrière parce que c'est spéculation qu'elle a fait. Spéculation
en ce sens que les gueux ont déterminé tous les choses-là, ce n'est pas par le jeu de l'offre la drogue. Ce sont des bases spéculatives. Comment c'est une base spéculative? Eh bien, les gars, oui, ils demandent encore, bien sûr, les gars, du bon, c'est temps, ils dépassent le taux affiché, ils vont accepter, à faire le nouveau taux. Les insultants pour un groupe là, on dit à 105 groupes pour nous là. Vous comprenez? Donc on met 50 millions. Et il a dit, ah, on fait pas, et d'accord, 5 ans. C'est 107, c'est 108. Immédiatement que nous-mêmes qui nous avons accepté à 107, à 108, alors que c'est 130 millions, le nouveau taux, le lendemain, le nouveau taux va être 107 ou 108. Deuxième facteur qui est tout aussi important, qui vient même ce facteur, ça a été terminant, peut-être là pour décider l'homme. Parce que l'institution va aider. Je prends des termes, en ce sens que je me suis dit, c'est d'ailleurs le peuple qui commence à faire manifestation. Il n'y a pas la peur des manifestations, mais que les gens conformés parce que le peuple n'a pas été mais 120 gouttes, 125 gouttes, 150 gouttes, 200 gouttes pour nous là, non. Population déterminée, il ne peut pas accepter que Banque impose ça. Le barrage de service, il n'y a pas cette population pour camper, pas des manifestations pacifiques. Je dis, monsieur, nous pas capable parce que c'est spéculation en fait. Si l'État va résoudre la question, les populations désormais pour qu'ils sont en main. Pour faire des manifestants pacifiques devant Banque, ou empêcher de continuer avec spéculation bancaire. À cette job banquier, mais je pas fait job banquier. Son autre job bien fait. Il n'y a pas de rapport avec mission. Le national pour fournir et pour faire tout bénéfice. Docteur Laboussière. Pour déterminer toi, c'est une manière frauduleuse. Voilà, vous venez d'écouter la déclaration de l'économiste Eddy Laboussière. Nous parlons de Fonti Balekounia avec l'économiste Benel Saint-Just qui lui-même a l'autre réflexion autour de cette question du dollar et de la gourde par rapport à ce qu'a fait sur marché. Et pour monsieur Benel Saint-Just, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Ou bienvenue sur Pacifique Frère, comment croyez? Eh bien, nous en forme, danger, donc nous l'avons regardé. Et sans doute, vous nous répondre avec Abelou. Et son plaisir matin pour nous faire un petit garder par rapport avec et situation pays, particulièrement cette question qui a fait en pile actualité et scientifiquement parlant, il y a des gens qui ont questionné tête yo parce que nous pas joué une réponse à question yo. Je dis à la, est-ce que c'est importer nous importer moins, nous exporter plus parce que c'est ça que nous dit, c'est importation exportation qui pas équilibré qui fait goût de la paix d'Ivaleli. Est-ce que c'est injection BRH fait sous marché à qui la cause que eh bien dollar et vin vont y ont y descendre beaucoup de la pour y valer grand monde qui dit c'est non pour qui ça parce que injection habituée faite déjà. Est-ce que c'est pression ou encore c'est sanction la banque des banques t'a décidé octroyer à la Unibank et Capital Bank qui t'a la cause de bas ça ou encore est-ce que sont l'autre élément en dans l'économie pour sur Benel Saint-Just qui ça vous pensez je dis à la qui à la base de cette appréciation de la goutte par rapport au dollar américain? Appréciation goutte là par rapport à dollar américain, hein, demande prudence. Raison pour laquelle demande prudence, mécanisme traditionnel qui permet que yon monnaie apprécie par rapport à l'autre, yon pas respecté, je dis, dans l'économie haïtienne. Non. On regarde rapidement pour nous voir. Qui indicateur macroéconomique qui expliquait de manière traditionnelle augmentation de production qui lui-même était base d'appréciation de monnaie par rapport à l'autre, puisque c'est lui-même qui déterminait le niveau de compétitivité de toute économie. Mais nous allons exactement dans quelques indicateurs. Nous prenons un. Est-ce que l'économie haïtienne, je dis, est résiliente? Non. Je dis à la, en matière de résilience économique, nous sommes une économie qui est plus retardée à travers le monde. Est-ce que l'économie haïtienne, les gagnés croissance endogène? On a parlé de capital humain, on a parlé de capital public, on a parlé de capital technologique. Non, il y a un indicateur ça, l'économie n'a pas gagné. Est-ce que l'économie haïtienne, aujourd'hui, a gagné plus investissement direct de l'étranger? Non. Sous deux dernières années, c'est environ 150 millions de dollars américains, alors que tout le pays, surtout dans l'Amérique centrale, là, pour une base du Caraïbe, là, c'est presque 1 milliard de dollars. La République dominicaine, c'est 2,5 milliards de dollars pour investissement direct de l'étranger. Non.
mécanisme n'est pas en marche dans l'économie. Est-ce que maintenant, il y a plus de tourisme qui débarque? Non. Est-ce que il y a plus de transfert? Non. Donc, tout indicateur macroéconomique, ça y est, justifie que les trois secteurs de l'économie, qui sont les secteurs primaires, on va parler d'agriculture, eh bien, ont baisse de production considérable. Eh bien, baisse de production. Dans ce secondaire-là, qui c'est l'industrie, pas gagné développement industriel. Donc, baisse de production. L'autre secteur, c'est là qui est même regroupé entreprise de services, hôtels et tourisme. Haïti, on est une plus mauvaise année dans l'histoire. Parce que tourisme, pas presque vient dans le pays à sous, année se passer là. Maintenant, indicateur ça, c'est eux-mêmes les performants qui prennent le bail une bonne possibilité maintenant, alors good là, qui prennent le bail les possibilités pour les apprécier par rapport à dollars. On y a, une ne saillot pas fonctionner et good là va apprécier. Maintenant, pour capable poser une question, qui ça qui a la base situation ça? Eh bien, en tant qu'économiste, nous venons bien droit pour nous formuler deux hypothèses. Première hypothèse là, c'est est-ce que l'injection 150 millions, alors l'injection 150 millions de dollars de banque centrale dans l'économie, qui permet de vous apprécier. Pour y avoir l'obligé de faire une histoire rapidement, pour nous voir qui fait histoire dit dans le cas ça. D'abord, rappelez que le pays a qu'on habitué à gagner un dumping économique. La France ou Henri Nancy, dans les années 88, un bon matin, tout produit que nous importons dans l'économie, il a tout baissé considérablement et trois mois après, il va détruire la production nationale. Et même pour le sur le TBCA, il va augmenter vertigineusement. Donc ça te fait comprendre que le dumping économique, c'était pour caser la production nationale. Là. Ça qui est arrivé fait. Nous sommes maintenant en 2017. Nous encore plus près. En février 2017, après Mathieu, on a tellement pris une valeur qu'il était obligé la Banque centrale à aller dans la réserve li, pour injecter environ 10 millions de dollars américains dans l'économie. Ça qui est arrivé fait. En février 2017, nous avons besoin de 68 gouttes pour $1. Après l'injection de la Banque centrale, là, effectivement, le coût de la vie apprécié. Il chutait jusqu'à yon, ou te besoin de 61 gouttes ou vin gen $1. Mais, au cours du mois de juin 2017, puisque ça que fait là, c'est pas un mécanisme traditionnel de Tébaïli, et bien rapidement, en juillet 2017, dollar va prendre force et encore, il va apprécier avec un rythme qu'il va tenir auparavant. Qu'on y a maintenant, en juillet 2017, nous avons besoin 69 gouttes pour $1. Eh bien, l'intervention de la Banque centrale là, il est capable de porter un élément de solution, mais il n'est pas durable. Si c'est à ça. Deuxième hypothèse. Est-ce que sanction de la Banque centrale prend par rapport au sein de la banque qui a gagné des comportements qui jusqu'à présent ont été pour ça, est-ce que c'est à la base? Eh bien, ça va justifier pour nous, marché de change en Haïti, que nous gagnons l'économie, eh bien, son marché de change qui est manipulé. Parce que ça veut dire qu'on a dépassé l'économie sur qu'on y a. Donc, nous-mêmes, nous faisons économie politique. Nous sommes capables de faire analyse pour comprendre le mécanisme politique et économique. Comment nous sommes capables de lier. Mais maintenant, si nous avons une hypothèse là, c'est ce qu'on fait ça, eh bien, on nous dit réellement qu'il y a un groupe de monde, en tant qu'opérateur financier, qui décide eux-mêmes, à un moment donné, de la prise de valeur qu'il y a par rapport à Goudla. Ça veut dire, je dis à la Goudla, c'est des droits. Déprécié par rapport à dollar, à hauteur de 80, alors 80 gouttes pour dollar, et pourtant, opérateurs financiers, ils ont même fait plus que ça. Monsieur Saint-Just. Oui, oui. Par rapport à toute explication que vous avez là, vous parlez de dumping économique, là, et le chita, et tout facteur pour qui t'a fait dollar descendre, nous parlons, il n'est pas là. Mais cependant, il y a un facteur politique. Parce que, et par rapport à, on prend une déclaration du président Jovenel Moïse qui dit que vous voulez servir avec dollars
pour jeter la mais pas jeter c'est ça dollars parce qu'il décidait pour prendre mesure et il pas bon faire des jobs ou pas capable acheter un peu pour vendre dollars tout et président dit ça est-ce que qu'on y a là l'en garder et dans secteur pétrolier président te font lancer des et enquête menée plus passé 94 millions de dollars, pas vrai? Oui, sur un intervalle de 14 mois. Sur un intervalle là. Et nous ne pas tant de secteurs qui défendent. Nous ne pas tant de secteurs qui disent ça qui fait yo, et pas correct. Est-ce que quelque part, ce n'est pas plus politique que lié au lieu que l'État va, j'en sois tapé de façon rationnelle et technique, faire passer là et M. Saint-Just? Voilà, si nous devons faire des mensonges dans la radio, on a dit que c'est mon son audio là. On a dit, puisque nous avons un bon fonds politique qui justifie ça, oui, bagarre la vie de niveau côté combien, économie politique haïtienne non. Si on oblige de mettre l'école de côté, mettez pour faire politique dure là, combien. Qui fait politique dure, il a tenté par réponse là. Okay. Parce que les vignes paraissent vrai, le marché de chez haïtien est manipulé. C'est moi, président Gomara qui le connaît, il ne parle pas de nous. Mais il connaît. Moi, j'ai une information. Alors, il y a empirique, puisque je n'ai pas gagné une source de côté de l'information. Mais comme on dit, le président est même menacé, conseil de pour enlever l'histoire, puisque il y a même brouillé tout, il y a brouillé le marché des changements. Mm-hmm. Eh bien, oui, il paraît, ça vraiment, il paraît, on bien dire, il paraît, jusqu'à présent, nous avons derrière solution, alors nous avons derrière réponse exacte là, il paraît vraiment que l'économie on met politique qui derrière, alors la mauvaise politique, puisque j'aime dire là qu'il y a économie politique tout, comme science, mais qu'on mauvaise, mais politique qui derrière économie qui probablement tabaille, tape des gouttes là lui-même dévalorisé par rapport à dollar. Maintenant, situation ça, c'est que nous pensons l'autre bagaille tout. Si réellement avancé dans la politique, et si ce phénomène 88 a travaillé sur notre peuple, par exemple, là, m'a posé des questions, hein. Je ne sais pas si m'a posé des questions. Est-ce que maintenant, politique de là, c'est politique internationale qui est liée, c'est que l'IFEP, pour, au lieu de déprécier, que de la déprécier, c'est de proposer une dévaluation qui est liée. Parce que déprécier, c'est dévaluer, Kounia. Yes. L'aide de la déprécier, alors si de la déprécier, c'est que la production pays a monté, donc, c'est une bonne nouvelle que la production doit augmenter. Et tel n'est pas le cas. Voilà. Mais maintenant, les droits de somme tout pendant que. Mécanisme traditionnel, yo, je ne peux pas répondre. On y a l'air, ça c'est pas déprécier, c'est vrai. C'est dévaluer, dévaluer réellement. Probablement, nous ne pouvons pas que c'est politique pour la peine économique. Et bien, il y a ces politiques internationales là, pour faire de la dévaluer, ou même commencer à déprécier, déprécier, vous n'êtes pas vrai. Dévaluer, on y a c'est juste pour montrer la population qu'on bagaille qu'à faire. Probablement, on va gagner l'élection. Et son façon pour mener mon yon dans yon qui étude que l'économie a aussi j'ai en santé, et que maintenant, nous voulons arriver dans l'élection, on arrive dans l'élection. Ça y est encore, c'est des hypothèses à vérifier. Vous comprenez, c'est peut-être ces différents artifices que. Voilà. Voilà. Moun qui a manœuvré dans les coulisses, qui a levier ou nan men yo, et puis on dit, bon joué sous aspect sa yo. Ok, excusez pour motivation, même je connais, je connais la dégale, mais je provoque la dégale là. Même j'ai tout que la gagne la finance. Ok. Maintenant, est-ce que pendant, et nous avons goût de la glisse et descendre comme ça, et alors que tout pas météo parce que ma vie n'a avec souvent c'est constant là c'est dénominateur commun et tout pas à mettre pour qui t'a fait descendre yo il pas descendre est-ce que pas qu'à tout profiter tout pour ne t'a qu'à dire et n'a tout battre pour saisir le comme ça dans société civile là et dans monde par exemple qui a besoin de l'eau parce que avant de l'eau là nous t'a posé un problème. Et est-ce que là où dit dollar BCA, moi si j'ai besoin de 2-3 000 dollars, est-ce que m'a besoin? Est-ce que m'a besoin dans tout ce que vous dites vraiment? Est-ce que pas une catégorie bien spécifique qui a pas acheté dollar? Eh bien, bonjour. Probablement, il y a un moment qui a toujours acheté dollar maintenant, malgré le BC. Écoutez, il y a gagné 3 fonctions d'après la science économique. C'est une unité de compte, instrument de change
instrument de réserve de valeur. Dans tout pays au monde, monnaie gagne trois fonctions principales. Par au quatrième. Mais pas semblé, en Haïti, pour pas t'assembler, ça lié, monnaie a une quatrième fonction lui-même. Parce que tout bagaille nous en Haïti, il faut nous faire concubine là-dedans. Tout bagaille nous faut nous faire, faut nous prostituer là-dedans. Tout ça nous a fait, il faut nous créer anomalie là-dedans. Au lieu que le dollar était une monnaie d'échange, eh bien, nous faisons le dollar tourner un bien économique. Et ceci, moi, allez, puis vous me dites, il y a même un bien économique encore. Nous faisons le dollar tourner un patrimoine. Et donc, vous avez dit, on gagne 20% de. Et bien, soit acheter à jeudi, même soit acheter à un prix qui dérisoire, on connaît fondamentalement dans 3-4 ans, on fait deux comme ça. Mm-hmm. Ça veut dire que même si le dollar est déprécié, mais pas grand, il prouve que qui est déprécié, et bien, il y a des gens qui ont toujours profité à Chine, qui peuvent mettre de côté parce qu'on est tôt ou tard la porte, qui va l'apprécier encore, parce que ce n'est pas l'économie pays qui a une réponse là. Donc, si l'économie n'a pas une réponse là, c'est clair, et bien, le phénomène qui fait le déprécié, au moins, il dit tout, est-ce que ce n'est pas dévalué? Eh bien, ça ne va pas retourner encore. Mm-hmm. Et ça veut dire, si nous sommes contents, il faut nous compter avec un peu de réserve. Nous sommes contents. Bon exemple clair pour comprendre. Pour qu'on puisse tout, nous sommes décidés par l'école. Pendant qu'on a pris avec vous à l'école, il va aller. D'accord. Mais c'est toujours la caille. Nous ne sommes pas à l'avant de métier. Nous ne sommes pas à l'arrêt. Nous ne sommes pas professionnels. Et puis, au bon matin, on est sorti, on est courageux. Moi, on est venu à 10 millions de dollars dans la caille là. Ou bien, on dit 10 millions de dollars dans la caille là. Ou même, on est venu à la réaction. Quand on est venu comme ça? Et quand on est venu comme ça? Et... Ou bien, j'ai mené à quel parce que je ne pas travailler. Non, qui l'auto au gain? Voilà. Voilà. Ou pas, j'aime content puisque, ou qu'on a posé des hypothèses, est-ce que c'est à tel jeune, qui côté jeune, etc. Moi, pas travaillé pour ça. Montre-moi bien l'autre qui côté joueur. Exactement. Kounia, si mon abgadeur, il dit bon, ses amis li, kapé de li, ses bagages li gagné, son kobe ta pombat se créé au côté, son ami qui est de li, là, Kounia, on brouille nous-mêmes. Même si kobe ça paraît bon pour nous-mêmes, on pas capable de content. Nous ne sommes pas économistes. Nous pas capable de content. Parce que c'est pas la production qui donne la réponse. Donc, la réponse que nous avons aujourd'hui n'est pas une réponse structurelle. C'est un bagage conjoncturel, c'est une forme de manipulation. Pour nous jouer dans l'esprit, nous, même Jean Dumping 88 là, même Jean ça arrivé nous en 2017, qui donc à tout moment donné, pour parler de l'autre rebondissement. L'autre bagaille, moi, on a critiqué. On a dit, je dis là, nous sommes dans une société d'information. Et ils permettent que savoir là, tôt ou tard, il y a plus de monde qui vient s'arrêler, au minimum de savoir. Donc, il y a une société d'information qui valorise quelque part. Une forme de société du savoir, puisque les réseaux sociaux, ça a un peu de droit pour nous informer. On a des pour nous. Quel que soit l'agent économique, je dis, d'ailleurs, il est l'agent économique. Même s'il est à l'école, il n'est pas à l'école. Mais l'économie, on connaît que son agent économique. Qui donc, toute machine qui est dans la rue, a un minimum d'intelligence économique, un minimum d'intelligence financière. Il est impossible, Jean Dollar a varié là, dans des faits d'affilée. Et puis, pour un agent économique rapidement de faire du produit. Tout à l'heure, on n'a pas fait ça de lui-même. Parce que pour lui-même, son coût de travail est passé là. Donc, au préalable, il faut stocker quand même. Que l'été acheté le produit là, laisse ça de la descendre. Eh bien, lui, il descend. Il n'est pas capable de descendre du produit. Mais il n'est pas perdu. Laisse ça tout. Si tout à l'heure, économique fait comme ça, mais tu dis 15 ans encore. Encore, gardez-vous, vous êtes bien parce que le plus parle de jour. On y a l'État lui-même perdu le contrôle de l'économie du pays. L'État a perdu le contrôle du marché. Quitte les marchés de biens et services, quitte les marchés de change, l'État a perdu le contrôle. Donc, on n'est pas capable de demander à l'agent économique rapidement pour descendre le produit. Il est possible. Et ça qui n'a pas eu. Et dans là, tout, nous avons une décision que le ministère du Commerce point qui est en vigueur depuis hier, tout pris en goutte. Maintenant, pris en goutte là, l'État n'a pas aucune marge de contrôle pour te dire que le produit a été de vendre tant goutte. Chaque monde qui a mis le prix, oui. Et million 20, j'ai ouvré. Exactement. Exactement. Maintenant, regardez pour nous. En 2018, le président de l'IA a pris une décision ça déjà.
pitié à ce que tout bagaille en bout. Mais tout, nous avons une situation qui est économie dollarisée, qui a créé plus de panique dans l'économie. L'économie dollarisée avait dit qui ça? On l'a caillou, on a payé au 40 dollars américains, pendant que l'inflation, taux de chômage augmenté, par investissement et puis de la montée qu'à la côté sur nous, chaque jour. De la réaction, il crée plus d'inégalités. Il crée plus de dégâts en termes d'impact sur chaque agent économique. Et donc, processus pour l'économie de dollariser à Sélicapon. Parce que, à regarder tout pays dans la région, hein, par une histoire économique de dollariser. Tout ça qui est dans l'économie, ou pays en monnaie locale. Mm-hmm. Et donc, lorsque dernièrement, Banque Centrale a dit que il prend contrôle du marché, et que comme quand on entre dans le pays, quand on baille en goud, nous ne sommes pas d'accord ça, puisque nous pas capables dans l'économie de recevoir transfert en dollars, pendant que l'économie va passer en dollars. Ça, nous te dit que nous pas d'accord décision ça. Si nous d'accord ça, nous mourrons net fois ça. Nous avons aussi souffert pour nous gouverner. Pas d'accord. Effectivement, oui, en tout le monde pas d'accord. On y a, alors que l'on prend Brésil ou Chili, oui, les diaspora aux États-Unis voyaient un combat en brésilien, mais comme elle arrive, oui, il va aller en monnaie locale, parce que l'économie brésilienne n'est pas dollarisée. Tout ça va bien comme bien, on va l'acheter, on va le procurer dans l'économie comme service, on va le donner en monnaie locale. Et bien, dans le pays, nous voyons ça bouger tout. On y a, est-ce que dédollariser l'économie est aussi facile? Non, il n'est pas aussi facile. Les présidents ont pris une décision en 2018. Deux, trois mois après, ils retournent sur la décision. Et bien, probablement, à l'époque, les gens qui entourent les acteurs économiques qui ont passé avec les partenaires, ça va faire trop de déficit. Ils sont capables de demander des décisions à l'économie. Même si la beaucoup de pays, c'est pas beaucoup de pays. Ils retournent sur lui. Maintenant, est-ce que le président vient de nous aujourd'hui à bataille, il y a son bataille, parce qu'il met tout le secteur privé, dans tout le domaine, et bien, il va affronter. Même si il a affronté M. Gazou, il a affronté M. Kouwayo, et bien il va affronter M. Finosotou. C'est dans ça que le président vient de Kouda. Maintenant, le ministre a commencé tout avec la décision de 2018 que toute bagaille en boule. On y a, oui, c'est une décision qui permet l'État lui-même, lui prend force pour détruire l'inégalité et éliminer la pauvreté. Mais par contre, est-ce que le processus a été utilisé? Jusqu'à présent, nous étions quoi? Non. Ce n'est pas plus un bagage facile pour dédollariser une économie qui a plus que 30 ans à fonctionner comme ça. Et même si fonctionner à l'ivinière de la coutume nous-mêmes, eh bien, ça pose un peu de problème. Mm-hmm. Et donc, décision 1, lui capable de gros impact à l'avenir, mais pour aujourd'hui, à tout la guerre, plus de dégâts sur nous. Mm-hmm. Eh bien, frère, merci un peu pour la disponibilité. Ok, bien là, bonne journée. Eh bien, merci à nous tous. Je suis toujours disponible pour nous. Voilà, c'était avec nous. Mais c'est juste, économiste et Olivier, ben, il est déjà 8h45. On va observer 2 minutes de pause et on vous retrouve tout juste après pour le billet de Jacques. BNC ak Cam Transfert décide marier compétences ak expérience pour résoudre problème transfert. À partir jeudi à même ou Cam en déforme ak Zamou ou kilote bodlo pour faire tout transfert pour dans Cam Transfert. Ou capable vinn prendre dans BNC sans problème ou bien tout faire ou déposer sous compte là BNC. Seul côté ou gen garantie ou joine plus bon service. Et pas bonne nouvelle ou t'a demandé, mais bonne nouvelle BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Électricité son bagage courant mais boy c'est li rare. Gè deux jours même lumière ou pas ouais, c'est pas rien non. Tu bignou grand monde. Yo fait ça à l'hôpital. Alors nous-mêmes les usagers du blackout agien grand monde, al pont Delco Kubota nan Automeka sur route aéroport, nan n'importe zone côté gon Delco Kubota, blackout yo pas ka réuni deux hommes bon poteau électrique. Blackout avec lumière c'est deux bagages qui pas ka mêlé. Si yon a dans vle mêlé, démêlé vite al pont Delco Kubota nan Automeka, sou vle ouais côté on blackout a chata. Lumon Kubota. Automeka, 22 route de l'aéroport, 29 41 25 44, 29 41 25 45. Combien de fois vous dites un prochain merci parce qu'il t'a aidé? Combien de fois vous dites parents merci pour ça vous fait pour vous? Combien de fois vous dites merci les gens qui rendent un service? Toujours songez dire merci à monde qui fait bien pour vous. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique pour vous.
pour améliorer le rapport moun ak moun dans le pays. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous, nous toutes concernées. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphanapoulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement. Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.5 FM Radio Pacifique. Radio Pacifique, qui n'a nous branché, écouté et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Port-de-Paix, Fort-Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, et puis dans diaspora, à même basio. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h04, c'est l'heure du billet. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet. À compter de 8h50, 10 minutes de réflexion. D'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Ben, le billet de Jacques pour ce matin, crise haïtienne, les mots encore, des mots. Et les premiers mots, c'est M-A-U-X. Moi, M-A-U-X, t'as fait mal. Le dernier mot, c'est moi, M-T-S. Et parole. Parole. Quatre pelouses, Jacques Bombier à trois frères, bon mardi. Et merci, Dodger. Notre nation a avancé en technologie. Nous-mêmes, nous là, n'abri. Notre nation a fait créer Blackberry. En tant que bon catholique apostolique, on ne peut pas dire jeudi à ces fêtes nativité. On dit toute commune et cap fêté et nativité dans le pays. On dit toutes et chrétiens, l'église catholique, et bonne fête et nativité. Et moi-même, j'ai la queue, je me connais, parce que la queue, c'est commune voisine, la Camouin et la Benjino. Donc, nous disons tout pour la culte, les fêtes la culte, c'est fait par nous tous. Et tout comme les fêtes d'Indien, c'est fait pour la culte, nous disons, et bonne fête patronale. Je veux dire, nous disons, les mots, encore les mots, c'est sujet nous. Quel gros tête fait mal en un pays. Chaque fois que je suis
pour réfléchir, pour garder qui côté qu'on praler et puis monde qui porter solution pour voir qui t'a dit aux gens pour sortir c'est parole libao libo des paroles c'est vrai qu'on t'a dit gien des paroles qui bon force gien des paroles qui bon façon pour capable sortir mais nous comprenons dans le langage haïtien les moun nan bon parole c'est bluffer bluffou les moun nan a parlé on s'est décosé avant même li même li pas croire dans yo donc li difficile en pile pour ka permettre que ou sorti nan situation kachoumbe problème ko la dan je dis est-ce que force vive dans pays est-ce que force vive en dans pays parce que ça n'y a les forces vives ou ta ka dit c'est force que sans yo pays ça pas ka exister parce que c'est montant des gros parlant pile et prenons en exemple le secteur économique parce que pendant toute semaine là on était très économique est-ce que secteur économique là cap créer travail normalement c'est secteur qui t'ava doué plus important et dans pays a c'est par rapport à quantité emploi que vous créez en général pour qui t'apparaît et que yo vinn et chaque jour et prend plus importance chaque jour vinn plus fort dans économie pays a vinn plus fort tout dans politique pays a parce que qui ça contrôler économie hein, l'a contrôler forcément politique là et depuis quelque temps n'a pas le voir que comment gagner gros laisser frapper entre président république là entre politique là et en force économique ou bon secteur et non force économique et pays a par rapport à Jean et causé va passer Jean y a fait ça veut dire nous ca ont gens parler de et force vive ce que existe l'autre secteur le secteur intellectuel secteur monde qui a produit l'idée parce que intellectuel là c'est job li ça li là c'est pour le produire l'idée c'est pour venir avec des études des recherches qui fait et là encore nous capables dit Jean université nous en pas mauvais gagan Jean université nous en pas mauvais soufflette en ben est-ce que vraiment ces idées critiques pour qui permettent que société avance ya, est-ce que nous poser nous t'a dit non et ensuite ouais même président de la république là parce que quand c'est un président de la république qui fait remise en question hein, hey exemple, le président parle de question mandal. L'étendue, on sait le gros tonton intellectuel et connaissant son et qui a parlé que mandal a fini en 2021 alors que lui-même, il n'a pas signé un décret, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, avec peuplement. Ma petite président, avec mandal a fini 2022. Ça veut dire, là encore, gon gros désaccord et écart là li très grand c'est pour écart qui ka comblé comme ça toutefois nous ka dit l'en dans situation ça li terrible l'en dans situation ça li bay tête fait mal parce qu'on pas senti que nous poser problème yo en grand monde parce que son situation de crise nous et nayon société côté pas rien qui a marché nous sommes dans l'urgence absolue et si nous dans l'urgence absolue c'est comment nous capable déployer fonds comment nous capable planifier pour qui permettre que nous bail pays à une nouvelle direction et pour nous bail une nouvelle direction nous obliger chita comprendre yon lot nous obliger chita comprendre que sous route nous est là c'est en route autodestruction et que pays a li dans ravin le pays est dans le ravin et ravin de la criminalité parce que jodi a
Lorsqu'un pays qui n'en ravine dans la rivière criminalité, ça veut dire li changer tout donyo, li mettait tout monde nan tête chargé. Parce que pendant ces derniers temps, ces derniers jours, et en pile monde de différents horizons, de différents secteurs, yo tombé. Et là, yo tombé, je ne t'ai pas les ailleurs de affaires angoissantes. Tout le monde peur. Et tout le monde gagne, ça ne t'a qu'à relé. Et système autodéfense fait que l'eau absorbe ou récalcitrant. Fait que bon bonne cause ou peut faire bon bonne planification ou pas qu'à faire. Parce que y a un parler avec un ami entrepreneur. Et puis il dit moi que mon cher, comment ça passe? Et m'a réfléchi en pile, est-ce que pour me pas quitter pays? Malon côté, d'autant plus que aux États-Unis, j'ai investissement là et tout temps yo offre et résidence là et m'pas j'aime trop et chaud pour ça. Mais est-ce que qu'on y a c'est pas ta pour bon idée pour moi? Parce que dans ligne que nous y est là, dans gens que pays a, personne pas gain contrôle sur rien, l'état pas gain contrôle sur rien, réalité de criminalité et qui très répandue en dans société a, ou pas qu'on qui est-ce qui gain monopole violence là et qui est-ce qui a contré violence là, n'importe qui monde ka tomber à n'importe qui moment et l'on ka tchoumbe comme ça pour tomber et puis personne pas ka di rien. C'est-à-dire nous pas kachita avec une série de discours et nous gain nécessité pour nous porter réponse pour peut-être faire mal que nous gain yo jodi a c'est pas parole pour nous bailler pour peut-être faire mal ça yo pour nous pas dire les mots encore les mots, c'est-à-dire pour nous pas capable créer condition de désespoir au lieu que nous porter l'espoir. Pour ça faut que nous vini pas avec discours apocalyptique. Discours qui chita sous d'après le fait belle cause, c'est et puisque nous premier pays qui est indépendant et n'a pas ceci et non, c'est nous besoin des bagailles qui clés qui pour permettre nous sortir dans situation d'urgence que nous a et faut que nous gérer problème émotion que nous gagnons en dans pays a qui fait que nous peur, qui fait que nous pas qu'à agir, qui fait nous pas qu'à avancer. Parce que si nous pas fait ça, n'a toujours une tête fait mal et puis c'est pas même anticalement on dit grain noir prend pour ta soi-disant passer tête fait mal là, eh ben c'est parole y a baou et l'autre groupe nous fait tête fait mal même pas l'eau pas attendre parler et nous dans situation en dans pays nous pas qu'attendre parler encore mais nous besoin action mais une action concertée pour qui pas bail plus pression plus tête chargée plus que cassé parce que Abraham dit c'est assez. C'est un plaisir pour nous être capable d'avoir et jeudi mardi 8 septembre là. Nous avons rendez-vous pour demain pour l'autre édition Pacifique matin et bonjour tout le monde, vive Haïti à venir.